Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, notre émission a pour titre « Manifestations et lieux de mémoire ». Et nous sommes heureux d'accueillir sur ce plateau l'historienne Danielle Tartakovsky, qui est professeure et qui est en même temps auteure de nombreux livres dont nous allons parler tout à l'heure avec Claude Pentier et puis aussi avec Amélie Brun, qui va animer, comme d'habitude, la rubrique courriel. Alors, tous les militants connaissent l'efficacité des manifestations pour faire évoluer à la fois l'opinion publique et faire bouger la société. Le 30 novembre 1999, la première grande manifestation mondiale contre la raison économique a paralysé le centre d'une grande ville des États-Unis, la ville de Seattle. Les citoyens manifestants ont réussi à faire créer un contre-pouvoir et à faire aussi reculer l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce. Lapsus. Et il venait d'ailleurs d'environ 80 pays. Il y a aussi quelques mois, en France, la multiplication des manifestations dans les mois de février et mars de l'an 2000, les manifestations organisées par les agents de la fonction publique, éducation nationale, hospitaliers, les gens du Trésor, ont obligé le Premier ministre français à changer la composition de son gouvernement. Alors les grandes manifestations laissent des dates dans l'histoire, mais elle laisse aussi des traces dans les lieux où elles se sont produites. Alors, Claude Pentier, quelle place tiennent ces lieux de mémoire dans l'histoire du mouvement ouvrier ? Bien, une place importante dans le panthéon républicain, dans le panthéon ouvrier. Et à Paris, d'ailleurs, il y a, on le verra un petit peu, concurrence selon les périodes ou relais entre ces différents lieux. Dans tous les cas, la manifestation, le cortège, le défilé forment un thème vraiment qui est majeur, qui est important pour l'histoire, qui a été longtemps traité sous la forme de l'histoire militante, sous la forme de la nostalgie, des grands moments, notamment du 1er mai. Puisqu'on est à proximité du 1er mai, on peut quand même souligner la continuité de ces manifestations. Et un historien comme Maurice de Manget, par exemple, a consacré un ouvrage important aux manifestations du 1er mai. Mais pour l'historien lui-même, le sujet est redoutable. Et chacun est amené dans des monographies régionales ou locales à parler de moments de manifestation avec beaucoup de difficultés, puisque comment compter ? On est dépendant des archives de police, de ce que peuvent dire la presse, comment localiser de façon très précise une manifestation, par où passe-t-elle, comment est-elle accueillie, comment traduire l'ambiance de la manifestation, comment interpréter. En fait, il y a des regards divers. Et généralement, la photo, le film, le rapport de police ne sont que des regards qui méritent d'être pris avec beaucoup de prudence. Et donc, bien sûr, il faut fonder toute une méthode d'interprétation. C'est ce que Danielle Tartakovsky a pu faire sur une longue période, donner vraiment tout son sens à cette occupation symbolique de l'espace, à sa façon de s'agréger. Puisque là, on se rend compte, des générations se rencontrent, des hommes, des femmes. On peut se mettre aussi à l'écart. Je lisais récemment, à propos justement du Père Lachaise, un rapport d'un responsable du Parti communiste, Maurice Tréhant, en 1937, et qui se fixait comme objectif de mettre sans pitié, en dehors de la manifestation, des opposants. Donc c'est aussi un lieu, c'est des lieux où on se rassemble, avec un mythe d'ailleurs, c'est pas des fois l'histoire embellit un petit peu, notamment pour février 34, les grands rapprochements. Alors concernant Danielle Tartakovsky, est-ce que vous pourriez nous présenter ses ouvrages et puis nous introduire justement dans ce lieu symbolique du Père Lachaise ? Je ne vais pas vous présenter tous ses ouvrages parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a même un qui est extrêmement volumineux, qui s'appelle Les manifestations de rue en France 1918-1968, publié aux presses de la Sorbonne. Trop lourd pour qu'on le transporte, mais autre ouvrage plus accessible par son poids chez Aubier, Le pouvoir est dans la rue. Voilà un titre sur lequel on va revenir, qui nous met des frissons dans le dos. Le pouvoir est-il vraiment dans la rue ? En réalité, un des thèmes est de montrer que, sauf à des moments tout à fait précis, la manifestation ne rime plus aujourd'hui avec sédition. Et dans une progression,
Daniel Tartakovsky a observé un de ces lieux de cortège, mais aussi de mémoire, c'est le Père Lachaise, qui est un lieu auquel beaucoup d'entre nous sommes attachés. Quelle belle promenade à faire à un moment, de se promener parmi ces tombes qui n'ont rien de sinistre. Il y a même une beauté du paysage, une beauté du souvenir. Et le titre du livre est « Nous irons chanter ». Sur vos tombes. Pourquoi ce titre, Daniel Tartakovsky ? Pourquoi ? Parce que on a incontestablement, de la part du mouvement ouvrier, un usage du cimetière, qui est un usage politique, qui est un usage à la fois totalement conforme au lieu, et en même temps un tout petit peu hétérodoxe, d'où cette formule empruntée bien évidemment à Boris Vian, empruntée et détournée. qui, je crois, est bien illustrative des pratiques spécifiques du mouvement ouvrier dans ce cimetière. Voilà, parce qu'il faut rappeler que le titre du livre de Boris Vian était « Nous irons cracher sur vos tombes », un livre de 1946. Alors, pour nous introduire au Père Lachaise, on va voir quelques images. Comme chaque année, en 1980, les amis de la commune défilaient au cimetière du Père Lachaise vers le mur des fédérés. Et il y a quelques images que nous avions tournées à l'époque d'un film que j'avais fait avec Jean Métron sur la Bourse du Travail de Paris. Et à cette occasion, l'historien Jean Bruat évoquait le communard Eugène Varlin. Daniel Tartakovsky, ces quelques images nous ont introduit auprès du mur des fédérés. On peut dire que c'est un lieu d'apprentissage de la manifestation. Oui, ça pourrait paraître paradoxal d'illustrer un débat dont l'intitulé était la manifestation par le Père Lachaise. Et en fait, le Père Lachaise a été à Paris un terrain d'apprentissage de la manifestation. Dans la plupart des villes de province, c'est le 1er mai, c'est bientôt la date du 1er mai, Claude Pelletier en parlait tout à l'heure, c'est le 1er mai qui constituait en général l'occasion des cortèges tolérés à la faveur desquels les militants ont pu progressivement, entre 1889 et la guerre, apprendre à manifester pacifiquement. Et à Paris, le 1er mai était interdit. Et la seule occasion qu'avait le mouvement ouvrier parisien de pouvoir se déployer encore, c'était ce cortège à l'intérieur des murs du cimetière. Il était totalement toléré à l'extérieur, mais une fois passé la porte, on avait le droit, moyennant d'importantes réserves, de déployer brièvement les drapeaux rouges et de chanter, non pas ce que nous venons d'entendre, mais l'international bien sûr. Et alors, l'apprentissage, c'est l'apprentissage pour les militants ouvriers qui ont appris là à s'ordonner, à défiler pacifiquement, mais c'était aussi l'apprentissage pour les forces de l'ordre. C'est dans le Père Lachaise que le préfet Lépine rôde ses méthodes du maintien de l'ordre dans les années 1890, tournant du siècle. Mais avec le mur des fédérés, on finit par fêter la fin de la commune, alors que traditionnellement, on fête plutôt le 18 mars, et si on va dans des villes de province, là aussi, la date n'est pas la même. Comment s'institue cette manifestation autour
du souvenir des fusillés, des derniers morts dans la Commune. Oui, alors deuxième spécificité parisienne, effectivement, à Paris, l'anniversaire de la Commune s'est cristallisé sur le crépuscule et l'aurore, hein, disait, rappelait Madeleine Rébériot, la semaine sanglante. Ça tient à ce que les communards rentrés d'exil, les amis des communards, ont dû mener un combat entre les années 1880 et 1908 pour le respect du haut-mort. La tombe des communards, enfin la non-tombe des communards, cette fosse commune dans laquelle des communards fusillés avaient été inhumés, a failli disparaître. Donc il faut mener un premier combat pour sauver ce lieu. Et puis le lieu étant sauvé, il faut mener un deuxième combat pour qu'un monument puisse y être érigé. Et les Républicains l'ayant emporté, il faudra quand même 28 ans pour que ce combat l'emporte. Donc ça explique que le combat se soit cristallisé sur ce qui apparaissait d'abord comme un devoir vis-à-vis des morts. Tout mort a droit au respect, tout mort a droit à la mémoire, toute famille de morts a droit à pouvoir honorer ses morts, le lieu du deuil doit être possible. Et donc progressivement, cette mobilisation, devenue manifestation, devenue occasion d'expression d'autres revendications, se cristallise sur le mois de mai. Et personnellement, j'aurais tendance à penser que pour le devenir de la mobilisation, c'est plutôt un atout. Maurice Agulon rappelait que ceux des monuments parisiens qui cristallisent le plus sont ceux qui sont aussi des tombeaux. Il y en a plusieurs dans Paris. Il y a les Invalides, il y a l'Arc de Triomphe, bien sûr. Il y a la colonne de la Bastille, mais dit-il, on l'a oublié. Et puis, il y a le Père Lachaise. Le fait que l'on honore la Commune à l'occasion de la Semaine sanglante va créer une sacralité à cette mobilisation qui répond de sa durée. C'est vrai que le mur ne mobilise plus autant qu'il l'a fait au moment en 1936, au moment du Front populaire. Oui. On a l'apogée, et c'est un grand moment politique important dans le processus de gestation de la culture du Front populaire. Mais l'apogée, c'est quand même 1936. C'est 1936. Mais c'est vrai que le mur des fédérés et le 1er mai sont les deux occasions qui sont plus que centenaires. Il y en a relativement peu. C'est-à-dire qu'à ces deux occasions, le 1er mai, où on pense à devenir meilleur, et puis ce mur où on célèbre les morts qui se sont battus pour un avenir meilleur. Donc deux occasions qui sont à la fois porteuses de sacralité, de devenir, d'éthique, ont réussi à traverser un siècle en se transformant, bien sûr, mais en étant susceptibles de fortes mobilisations. Il y a des réveils quand même. Il y a le centenaire de la Commune qui mobilise un public fort différent. Alors oui, ça a été le dernier. Bon, il est évident. En 68, il n'y a quasiment rien eu. Les moments où on n'a pas célébré la Semaine sanglante sont très rares. C'est l'occupation, encore que, clandestinement, on vient déposer quelques fleurs. Et puis c'est 68, parce que la Commune est dans la rue. Ce n'est pas le pouvoir qui est dans la rue, c'est la Commune qui est dans la rue. Enfin, c'est la Commune rejouée, bien évidemment, qui en tout cas prétend être dans la rue. Et donc, bien évidemment, le calendrier aidant, il ne s'est pas passé grand-chose. Encore que depuis que j'ai écrit le livre, j'ai appris que j'avais eu tort et qu'on a quand même été déposé quelques gerbes devant le mur en plein mois de mai 68. Mais il y a eu un grand réveil, 71, qui a été le centenaire, grand réveil, avec une énorme mobilisation. Ça n'est pas 36, mais une très forte mobilisation. Mobilisation qui tenait à ce que c'était le centenaire, et qu'on est dans un pays où les centenaires mobilisent toujours beaucoup, et puis qui tenait à ce que cet héritage était un héritage disputé, conflictuel, en 71. On était dans la phase post-68, où les différentes composantes de la gauche et de l'extrême-gauche réglaient leurs comptes, et chacun ayant besoin de montrer à l'autre qu'il était le plus fort, il est évident que ça a fait monter les enchères, et qu'au total, la mobilisation est très forte. Mais je crois que c'est intéressant de voir que les enchères et les conflits s'expriment à cette occasion. Mais à partir de la Libération, il y a un autre panthéon qui se constitue à côté du mur. Ce sont les lieux où sont enterrés les fusillés, les grands dirigeants du Parti communiste. Oui, alors en fait, ça a débuté avec le Front populaire, ça a débuté avec la mort de Barbus. Oui. En 35, ou plus précisément en 36, puisque à l'occasion du premier anniversaire de la mort de Barbus, la tombe de Barbus qui était à l'autre bout du cimetière a été transférée face au mur, sans qu'on sache très bien qui est à l'origine de cette initiative, sans doute un collectif d'intellectuels communistes, dont Aragon, qui était en charge de l'organisation de cet anniversaire. Et il y a progressivement des phénomènes de transfert de la mémoire. Il y a une mémoire globale qui se constitue. La mémoire de la Commune est transférée à celle du Front populaire par l'intermédiaire de Barbus. Barbus jouant pour ce nouveau panthéon qui va se constituer face au mur, le panthéon communiste, comme je l'ai appelé, le rôle que joue Victor Hugo dans le panthéon officiel. On a les écrivains comme fondateurs d'un possible panthéon.
Et puis autour de Barbus, Vaillant Couturier, et puis à la Libération, les fusillés, ensuite les martyrs d'autres causes, tous les morts de manifestations de l'après-guerre, Charonne en particulier, 56 aussi, et puis les dirigeants communistes. Donc progressivement se construit face au mur, oui, un véritable panthéon communiste, avec dans la mouvance de ce panthéon communiste d'autres mémoires, à la fois liées mais susceptibles de devenir concurrentes. Mémoire de la résistance, qui n'est pas exclusivement communiste, mémoire de la déportation, mémoire de la guerre d'Espagne. Et on a donc un lieu qui est un lieu cher au mouvement ouvrier dans son ensemble. Oui. Même sans qu'il y ait de grandes manifestations, il y a encore aujourd'hui des dépôts de gerbes assez importants. Et même une façon d'utiliser, par exemple, le 1er mai, quand on ne peut pas manifester, quand on n'a pas de grandes troupes pour manifester, on va déposer une gerbe devant le mur des fédérés qui fait qui peut faire un effet de rattrapage. L'occasion des grandes mobilisations, c'est l'anniversaire du mur. Mais hors cette occasion, effectivement, c'est un espace où l'expression politique est possible, est fréquente, notamment de la part de mouvements qui ne sont pas en possibilité ou qui n'ont pas le désir de s'exprimer sur le même mode que d'autres, dans les mêmes circonstances, dans les mêmes lieux. C'est souvent les forces hostiles au cortège majoritaire, le 1er mai par exemple, qui viennent devant le mur pour y déposer une gerbe. C'est un lieu de mémoire concurrente. Alors, cette fonction politique, le père Lachaise ne l'a pas totalement perdue. Et le 8 mai 1999, disparaissait une figure du pavé parisien, André Dupont, plus connu sous le nom de Mouna Aghighi, auquel j'avais consacré un film il y a quelques années. Alors, j'ai organisé l'incinération au père Lachaise, justement, pour pouvoir réunir auprès de Mouna, qui avait été savoyard, qui a été... orphelin et ouvrier dès l'âge de 9 ans dans sa région, en Savoie, et qui ensuite s'est plutôt engagé pour défendre la non-violence et l'utopie. Il a été secrétaire de section communiste avant de devenir non-violent. Secrétaire de section communiste. Quand ça De cellule communiste à Antibes. Antibes, de cellule. Avant la guerre À Antibes. Avant la guerre, oui. Avant la guerre. Tout de suite après la guerre, dans les années 1945-46. Il a adhéré au Parti communiste en 1945 lorsqu'il a vu qu'il manquait certains drapeaux dans Paris pour célébrer la victoire des Alliés. Et alors ses amis artistes, bien sûr, ont en profité pour se réunir au Père Lachaise. Il y avait là Bernard Allaire, Pierrette Dupoyer, Serge Ugeroyot, Clovis, parmi ses nombreux amis, ceux qui avaient plus déplacé, bien sûr. Et ils ont souhaité fêter sa mémoire. Mais il y avait aussi d'autres amis, on va voir d'ailleurs quelques images là, il y avait d'autres amis pacifistes qui étaient venus ce jour-là. Il y avait Maître de Félis, Théodore Monod, dont nous allons entendre quelques paroles. Et à cette occasion, justement, l'orchestre Joli Môme a interprété de la musique. Alors, je crois que les images vont arriver. On va écouter cet orchestre Joli Môme. Et là, tout de suite, nous écoutons Théodore Monod. Alors, j'ai des honneurs de la France. Et Mouna était là. Chaque fois qu'il s'agissait de défendre des malheureux ou des faibles, il était là. C'est tout à son honneur. Et c'est pourquoi nous avons le devoir de respecter son souvenir, de prolonger son souvenir par notre contribution personnelle, notre collaboration personnelle à l'œuvre qu'il avait entreprise. Et comme les filles sous le soleil, nous aurons de celui qui pétille même quand il dort. Les jours de grand.
dans ses cheveux blancs. Nous aurons de l'amour dedans tous nos problèmes et tous nos discours. Finirons par je t'aime, vienne, vienne à l'amour. Vienne par je t'aime. Nous aurons la même à deux fois de l'étoile. Alors là, c'est le groupe Jolimomes qui chantait sur les tombes, autour des tombes du Père Lachaise. D'ailleurs, ce n'était pas très bien vu par les organisateurs actuels de l'incinération, mais il y avait tellement d'artistes que ça débordait largement dans les allées du Père Lachaise. Si je puis me permettre, j'ai appris très récemment qu'une incinération s'était terminée par un pot organisé dans la salle de l'incinération avec des grooms qui servaient à boire, et donc je crois que les pratiques se transforment. Alors là, le monde était tellement important qu'il ne tenait pas dans le grand salon et que nous avons manifesté la joie en même temps à l'extérieur, parce qu'avec Mouna, il tenait surtout à ce que la musique soit présente. Ça correspond bien au titre de votre livre, Daniel Tartakovsky. Mais oui, on chantait. Alors, maintenant, nous allons passer à la rubrique courriel. Bonjour, alors la dernière fois je vous avais parlé de l'exposition Visage du mouvement ouvrier qui est organisée par l'équipe du métro en Haute-Savoie et qui a lieu au mois d'avril et mai à Annecy et Thonon. Donc je voulais vous en parler un petit peu plus en détail parce que ça mérite d'y aller. Donc l'exposition a pris le parti d'évoquer l'enracinement du mouvement ouvrier français en mettant l'accent sur ses diversités régionales. C'est pour ça qu'ils ont décidé de se diriger vers la Haute-Savoie. Donc l'exposition présente ainsi sur leur terrain et dans leur milieu professionnel ceux qui ont appartenu au mouvement social et qui ont lutté pour la transformation de la société, que ce soit dans les usines, dans les mines, dans les villages, dans les villes, dans les ports, etc. Donc cette exposition suit les militants du début du 19e siècle à la Seconde Guerre mondiale. Donc cette exposition pourra également être l'occasion de recueillir des témoignages, des informations, des photos sur tous les militants de la Haute-Savoie et permettre ainsi aux chercheurs qui travaillent sur cette région, ça aidera ces chercheurs. Donc il y a plusieurs manifestations qui sont prévues. Donc à Annecy, il y a notamment deux conférences débat. Une intitulée « Visage chrétien du mouvement ouvrier » animée par Nathalie Viotte de Paul, qui est historienne et chercheure au CNRS, mais également une autre conférence débat avec la présence de Yves Lequin, qui est professeur à l'Université de Lyon 2, sur l'essor du mouvement ouvrier au sein des sociétés industrielles de 1850 à nos jours. Il y aura également un hommage qui sera rendu au visage du mouvement ouvrier de la Haute-Savoie. Voilà, donc quelques expositions et manifestations à Annecy, puis à Thonon également. Donc à travers deux visites, on pourra connaître le début du syndicalisme dans le Chablais, avec la visite du chantier Le Savoie à Thonon-les-Bains, mais également la promenade guidée à Meyrie. Voilà. Et il y aura également une table ronde et un débat avec Mathilde Dubessé notamment, qui est professeure d'histoire à Grenoble. Claude Pentier sera présent également, je pense, et puis des responsables syndicaux sur le mouvement social d'hier et de demain. Voilà, donc au cours de cette exposition, vous pourrez aussi assister à des projections de films, donc The Big One et Ressources humaines, dont j'avais déjà parlé dans cette rubrique, qui seront tous les deux suivis d'un débat. Bon, il y a plusieurs projections, mais également deux autres films, donc Charbon ardent de Jean-Michel Carré, qui est sorti en 1999, suivi d'un débat en présence du réalisateur. Donc Charbon ardent, c'est l'histoire un petit peu des travailleurs de Tower Colliery au Pays de Galles. Jean-Michel Carré, le réalisateur, a suivi ces travailleurs qui autogèrent leur mine. Pendant plusieurs mois, qui autogèrent leur mine depuis 1994. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on avait annoncé la fermeture de ce site qui contenait 239 salariés, mais
Ils ont tous investi leur indemnité de licenciement, ce qui fait 8000 livres chacun, dans le rachat de la mine, et ils en sont devenus les propriétaires. Et la mine est aujourd'hui prospère. Ils ont embauché des salariés, les salaires ont augmenté, ils ont modernisé les machines. Et ils sont devenus vraiment les propriétaires, ils dirigent tout. Et c'est vraiment, cette mine est devenue la fierté de la région. Ils sont vraiment au centre des associations, ils soutiennent des causes internationales, etc. Donc c'est un film qui mérite d'être vu. Il y aura également Nadia et les hippopotames de Dominique Cabrera qui sera suivi d'un débat. Donc il faut savoir que ce film a été diffusé en version courte sur Arte sous le titre de Retiens la nuit dans le cadre de la collection Gauche-Droite et il est actuellement en salle. En fait, la scène se situe toujours pendant des grèves au mois de décembre 1995, pendant les grandes grèves qui ont secoué la France. Et Nadia, qui est une jeune érémiste, croit reconnaître à la télévision, dans le récit de ses grèves, le père de son enfant qui s'est volatilisé. Donc tout de suite, c'est en soirée, elle se précipite vers ses cheminots syndicalistes en croyant reconnaître cet homme. Et puis s'engage véritablement... Une donc, confrontation entre deux univers, Nadia qui est érémiste, qui est érémiste et qui tente de survivre avec les aides de l'État, et puis ces cheminots syndicalistes qu'elle considère un petit peu comme des nantis. Elle dit qu'ils ont énormément de privilèges parce qu'ils ont un emploi fixe, ils ont un emploi déjà, c'est important pour elle, et puis ils vont bénéficier d'une retraite convenable. Elle espère même pas tout ça. Donc vraiment, il y a cette confrontation entre deux univers. Vous voulez nous parler un petit peu de Charles Boisdant ? Oui, non, c'est un film qu'il faut absolument aller voir. Non, ce qui m'a tout à fait, mis à part que le film est passionnant, mais j'ai été tout à fait étonnée par le récit qui donne du film. Les mineurs de Tower Colliery expliquent qu'ils ont inventé le drapeau rouge. Or, quand on a lu De Vengeur, on a évidemment d'autres récits d'invention du drapeau rouge. Et donc, j'en ai conclu que finalement, dans tous les pays du monde, chacun doit penser avoir inventé le drapeau rouge et qu'on a un de ces mythes qui circule internationalement. Et vous êtes d'accord avec moi, ça mérite. Tout à fait. Enfin, je crois, en fait. Dans les quatre films que vous citez, j'en ai vu trois, les trois premiers, qui sont tous les trois à aller voir de toute urgence. C'est parfait. Mais alors, est-ce qu'il y aura le temps d'aller goûter le reblochon de Tonne, puisque Annecy est tout près de Tonne, on va parler peut-être du Roquefort, mais le reblochon mérite aussi. Ils feront le détour, il faudra bien leur dire. Très bien. Donc, j'avais aussi envie de présenter cette collection, cette revue, Société et Représentation, dirigée par Rémi Lenoir et Myriam Tsikounas. Donc, ça a traité beaucoup de sujets jusqu'à présent, Michel Foucault, la violence, le football pour celui-ci. Et je crois qu'avec Jean-Louis Robert, vous avez publié Le Peuple, le numéro 8. Est-ce que vous pouvez nous parler on a publié un numéro qui s'intitule « Le peuple dans tous ses états », les états tentent à prendre dans tous les sens du terme. C'était la suite d'un travail qu'on avait engagé sur la notion de peuple de Paris, dont on avait constaté avec Jean-Louis Robert qu'elle demeure au XXe siècle, qu'elle est utilisée, je pense qu'on va la voir ressurgir pendant la prochaine campagne municipale, et on se demandait pourquoi cette expression continue à circuler dans la vie politique et à être mobilisée tout terrain par les hommes politiques, alors que bien évidemment les conditions urbanistiques, sociologiques qui avaient prévalu à la naissance de ce mythe du peuple de Paris au XIXe siècle avaient disparu. Alors ça a donné naissance à une première publication, aux publications de la Sorbonne, qui est un travail collectif. Et puis nous avons poursuivi la réflexion sur la notion de peuple en nous penchant sur l'émergence du mot peuple dans le vocabulaire révolutionnaire, sur l'existence ou la non-existence de peuple dans différentes grandes villes d'Europe ou hors d'Europe, sur les mises en scène du peuple, enfin, sur toute une série de thèmes. Tout autour du peuple que cette revue a bien voulu réunir. Voilà, alors, pour finir, Bernard, on tient à remercier l'émission de Canal Web Tintuc TV pour ses encouragements. Voilà, nos confrères vietnamiens. Et nous remercions justement son rédacteur en chef qui a une très bonne revue bilingue, franco-vietnamienne. Alors, je signale aussi, on le connaît déjà, bien sûr, ce livre. Le monde n'est pas une marchandise de José Bové et François Dufour que nous espérons recevoir au mois de juillet. Et là, il y a une très belle citation qui ouvre le livre de Bernard Lambert, « Jamais plus les paysans ne seront des Versaillais », puisqu'on parlait de la Commune tout à l'heure. Alors, la prochaine émission a pour titre « Les cheminots ». Nos invités seront Marie-Louise Goergen et Georges Ribel. Georges Ribel, qui est un sociologue. Bon, aussi en même temps un historien des cheminots, qui a publié un grand nombre d'ouvrages, notamment à La Découverte. Alors merci à Daniel Tartakovsky pour son livre « Nous irons chanter sur vos tombes et tous les autres ». Merci de votre invitation. Merci à Noémie, à Françoise, à l'équipe de Canal Web, à Claude Pentier, à Amélie Brun et ciao ciao les internautes.